Oui. Mm-hmm. Écoutez, c'est... Oui. Voilà, c'est... je sais que ça doit avoir l'air très illogique. C'est vrai, là, la première fois que je l'ai vu, ça, c'était... Ne vous croyez pas obligé de vous justifier sur ce que vous avez ressenti. Je peux continuer? Je peux? Oui, bien sûr. J'essaie de vous dire quelque chose. Allez-y. Je vous remercie beaucoup. Personne ne vous accuse. Allez-y. Personne ne m'accuse. Il faut que vous compreniez que... au début, quand on s'est retrouvés tous les deux, il n'était mon frère que... que de nom. Mm-hmm. Ensuite... et ce matin, on a mangé des pancakes. Avec du sirop d'érable. Le sirop d'érable sur la... mm-hmm. Le sirop d'érable sur la table. Mm-hmm. Avec les pancakes. Et Charlie Babbitt a fait une blague. Vous voyez, nous... j'ai fait passer le courant. Je trouve admirable que vous l'ayez fait passer. Mais le but de cette conversation, c'est de déterminer ce qui est le mieux pour Raymond. Si oui ou non, il est en mesure de prendre sa place au sein de la collectivité. Et ce qu'il souhaite lui-même. Enfin, si tant est qu'on puisse le savoir. Je suis entièrement d'accord. Raymond est incapable de prendre ce genre de décision. Vous vous trompez. Charlie, vous savez très bien qu'il ne peut pas décider par lui-même. Il est capable de beaucoup plus de choses que vous ne croyez. Nous n'avons qu'à le lui demander, ça nous éclairera peut-être. Raymond, je peux vous poser une question? Ray, tu entends le docteur te parler? Je peux vous poser une question? Oui. Est-ce que vous voulez rester avec votre frère, Charlie? Raymond, est-ce que vous voulez vivre à Los Angeles avec votre frère, Charlie? Ray, le docteur te pose une question. Alors tu écoutes ce qu'il te dit, s'il te plaît? Oui. Raymond, voulez-vous rester avec votre frère Charlie? Est-ce que vous voulez rester avec votre frère Charlie? Oui. Vous le voulez? Oui. Vous voulez rester avec votre frère? Oui. Je veux rester avec mon frère Charlie Babbitt. C'est ce que vous souhaitez? Oui. Vous voulez rester avec votre frère? Oui. Je peux vous poser une autre question, Raymond? Oui. Vous voulez retourner à Walbrook? Oui. Raymond. Vous vous rendez compte qu'il y a une différence entre Walbrook et votre frère? Oui. Hmm? Raymond, est-ce que vous voulez rester avec votre frère Charlie ici, à Los Angeles? Ou, oui. Ou est-ce que vous voulez retourner à Walbrook? Oui. Ce sont deux choses différentes. Rester avec votre frère ou bien retourner à Walbrook. Il faut choisir entre les deux. Retourner à Walbrook. D'un côté, il y a votre frère. C'est l'un ou l'autre, vous devez choisir. Retourner à Walbrook, rester avec Charlie Babbitt. Retourner à Walbrook, rester avec mon frère Charlie. Non, non, ce sont deux choses différentes. Il faut choisir entre les deux. C'est l'une ou c'est l'autre. Oui, retourner à Walbrook, rester à Walbrook. C'est retourner à Walbrook ou bien rester avec votre frère. À Walbrook, rester à Walbrook. Non, attendez, ce sont deux choses. Vous voulez? Vous avez prouvé ce que vous vouliez, vous. Ça ne sert à rien de l'humilier. Restez. Ray, ça va aller. C'est fini. Oui. À Walbrook, avec mon frère Charlie Babbitt. Restez à Walbrook. C'est fini. Raymond. Oui. Docteur Brunner, je peux vous parler une minute? Bien sûr. Excusez-moi. Ça va, Ray? Oui. Tu veux plus qu'on te pose de questions? Non. Non? Je sais pas. Tu ne veux plus qu'on te pose de questions? Non. Plus de questions? Non. T'en fais pas, c'est fini, on t'en posera plus des questions. Oui. Plus de questions, tu peux me faire confiance, je suis là. Oui, pote à moi. Quoi? Mon pote à moi. Écoute. Ouais, je ne sais pas si je vais avoir l'occasion de te reparler. Tu sais, le docteur Brunner t'aime vraiment beaucoup et à mon avis, il va sûrement vouloir te reprendre avec lui. Tu vois? Oui. Tu te souviens, quand j'ai dit que je trouvais ça super d'être sur les routes avec toi, je le pensais. On s'est rejoints. Je suis content que tu sois mon frère. Je suis un excellent conducteur. Oui, tu l'es. Je suis content que tu sois mon grand frère. Oui.
C-H-A-R-L-I-E. C-H-A-R-L-I-E. Pote à moi.